La Haute-Gaspésie a une riche histoire liée à l'autonomie alimentaire. Ça fait pas longtemps de ça. Choux, carottes, navets. Pour tout ce qui peut se garder là, le plus en conserve possible. Fait qu'il était bon pour faire tout l'hiver. Cochons, poules, dinde, des vaches à bœuf. Ça, c'était tous des champs à foin, puis à grains. Les paquages, on gardait tout ça proche des maisons. Dans ce temps-là, c'était des barges. Il arrivait de la morue. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, puis la morue mesurait proche 4 pieds de long. Avec le temps, ce mode de vie a changé et notre dépendance à un approvisionnement extérieur a beaucoup augmenté. Ces dernières années, on observe un engouement pour l'alimentation locale et la réappropriation de ces savoir-faire, comme en témoigne l'émergence des jardins communautaires et le retour des marchés publics. Il y a encore beaucoup de place pour divers projets et on a maintenant l'opportunité de rêver ensemble la suite des choses. Le Lab Nourrir notre monde rendra possible la réalisation d'infrastructures dans chaque communauté. Dites-nous ce que vous aimeriez voir germer comme projet chez vous. Vous pouvez nous partager vos idées en remplissant les cartes postales disponibles dans toutes les épiceries participantes de la Haute-Gaspésie.